Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer un roman qui s'intitule Madame Bovary de Flaubert. C'est un roman qui pose un grand problème pour les étudiants. C'est un roman aussi programmé dans le module de l'analyse du roman. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer, comme d'habitude, quelques idées de ce roman-là. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous donner un conseil. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est avant de lire une œuvre intégralement, avant de lire l'œuvre dans sa totalité, essayez d'abord de lire un résumé, parce que le résumé va vous aider à mieux assimiler, à mieux comprendre le roman. Avant de lire le roman, il faut d'abord lire son résumé pour en avoir une idée générale. Alors maintenant, on va passer à l'explication de ce roman-là, Madame Bovary. On va commencer d'abord, comme d'habitude, par la présentation de l'œuvre. Alors, Madame Bovary, c'est un roman, c'est une œuvre qui s'inscrit dans le mouvement réaliste. Madame Bovary, c'est un roman qui s'inscrit dans le mouvement réaliste. C'est un courant apparu pendant le 19e siècle. Le 19e siècle. C'est quoi le réalisme? J'ai déjà expliqué cette notion, cette conception. La conception du réalisme, c'est un mouvement artistique et littéraire qui est apparu en France pendant le 19e siècle. Le réalisme, c'est un mouvement pictural. Il essaye de peindre la société. C'est un mouvement pictural. Le mot pictural, c'est un adjectif qui vient du mot peinture, c'est-à-dire peindre la société. C'est un mouvement culturel, pictural, artistique, littéraire, intellectuel. Quel est son but? Le réalisme, le but du réalisme, c'est le réalisme donne pour mission au roman d'exprimer le plus fidèlement possible la réalité. Il essaye de décrire la société telle qu'elle est, peindre le réel sans l'idéaliser. Alors, le réalisme se caractérise par, dans les romans réalistes, qu'est-ce qu'on trouve majoritairement? On trouve les sentiments, les adjectifs, la description, l'abondance de la description, la description des milieux, des personnages, les caractéristiques des personnages, le milieu social, l'objectivité, c'est-à-dire l'auteur cherche à décrire quelque chose, les personnages, le milieu, d'une manière objective, telle qu'elle est. Dans les romans réalistes, on trouve la description, et on y trouve beaucoup de choses. Alors, sans entrer dans les détails, on va passer directement à la fiche de lecture du roman. Alors, le roman là, Madame Bovary, c'est un roman réaliste écrit par Gustave, Flaubert, c'est l'auteur. Gustave Flaubert, c'est un auteur fameux et célèbre. C'est la figure emblématique de la littérature française pendant le XXe siècle. Il a écrit de nombreux autres ouvrages. Sans les citer, il y en a beaucoup. Le siècle des événements, c'est le 19e siècle. Le genre littéraire de l'œuvre, c'est un roman purement réaliste. Le roman réaliste. J'ai commis une petite faute ici. Pas roman réalisme, le roman réaliste. La date de parution de l'œuvre, c'est 1857. La date de parution. Le lieu de parution, c'est Paris, comme je vous ai dit, en France. Alors, Madame Bovary, il s'agit d'une œuvre majeure de la littérature française et mondiale. Madame Bovary, c'est une œuvre qui est connue, que ce soit dans l'Europe ou peut-être même dans le monde. Elle est connue mondialement. C'est une histoire qui reflète la société française à l'époque du 19e siècle. C'est-à-dire Madame Bovary, l'histoire de Madame Bovary reflète la société française à cette époque-là. Parce que le but du réalisme, c'est de décrire la société française telle qu'elle est pendant le 19e siècle.
Une autre chose, Madame Bovary, c'est un roman éponyme. C'est quoi un roman éponyme? Quand on prend le nom du personnage et on le met dans le titre de l'œuvre. À ce moment-là, on dit c'est un roman éponyme. Comme par exemple Ange Négrandi, c'est un roman de Balzac. C'est un roman éponyme parce qu'on a pris le nom du personnage et on le met dans le titre du roman. Par exemple, Le Père Goriot, c'est un roman éponyme. Il y en a beaucoup. C'est un roman éponyme. Madame Bovary, c'est un roman éponyme. Maintenant, on va passer directement au résumé général de l'œuvre. Alors, on va passer directement au résumé général de l'œuvre. Alors, le roman parle d'une femme qui s'appelle Emma Ronald. Donc ce roman parle d'un personnage principal qui s'appelle Emma. Emma Bovary ou bien Emma Ronald. C'est une jeune fille riche, d'un riche fermier. C'est-à-dire, c'est une fille qui vit dans une famille riche qui habite à la campagne. Voilà le personnage principal. Il habite à la campagne. C'est une fille riche. Emma, ce personnage-là, c'est une fille instruite, riche. Il a un bon niveau dans toutes les langues. Il apprend la musique et la danse. C'est-à-dire, c'est une fille capable de faire tout. C'est une fille ambitieuse. Il vit à la campagne avec son père et sa famille. C'est une fille riche, instruite. Il a un bon niveau dans toutes les langues, sans exception. Il a appris la musique et la danse et d'autres arts. Emma, c'est une fille ambitieuse, généreuse, belle et rêveuse. Le trait de caractéristique, parmi les caractéristiques de Emma, c'est qu'elle est passionnée par la lecture. Retenez bien cette expression, elle est passionnée par la lecture. La lecture pour Emma est une véritable passion. Elle lit beaucoup les livres. Elle rêve toujours d'une vie meilleure. Voilà, la lecture est une véritable passion pour Emma. Voilà, nous avons cité quelques caractéristiques d'Emma. C'est une fille ambitieuse, riche, rêveuse. Elle rêve toujours d'une vie meilleure. Elle est passionnée par la lecture. Voilà un autre personnage principal. On a cité le premier personnage, c'est Emma Bovary. Voilà le deuxième personnage principal, c'est Charles Bovary. Charles Bovary, c'est le deuxième personnage principal. C'est un médecin dans la même campagne où Emma habite. C'est-à-dire Emma et Charles habitent dans la même campagne. Sauf que Emma, c'est une fille riche, instruite, ambitieuse, rêveuse. C'est totalement le contraire pour Charles. Charles, malgré que c'est un médecin, mais il est pauvre. Il n'est pas instruit, il n'est pas ambitieux, il n'est pas riche, il est pauvre, il n'a aucune personnalité, il n'est pas rêveur, il n'est pas ambitieux, il n'est pas instruit. C'est totalement le contraire, c'est-à-dire Emma, il a des qualités positives, contrairement à Charles, il a des caractéristiques péjoratives, dévalorisantes, négatives. C'est le contraire, Emma, et il a des qualités positives. Charles, il a des qualités négatives, malgré qu'il est un médecin, mais il n'est pas instruit. Mais Charles et Emma, ils vivent dans la même campagne. Voilà. Comment Charles a-t-il rencontré Emma? Voilà une question parce que à la suite de l'œuvre, Charles il va se rencontrer avec Emma. Par la suite, ils vont se marier et beaucoup d'autres événements vont se passer. Voilà. Comment Charles a-t-il rencontré Emma? Voilà le compte. Je vais vous parler maintenant du contexte qui a permis à Charles de se rencontrer avec Emma. Comme je vous ai dit, Charles, c'est un médecin.
Un jour, le père d'Emma est malade. C'est-à-dire, le père d'Emma est malade. Donc, Charles, puisqu'il est un médecin, il va aller chez eux. C'est-à-dire, il va aller pour soigner le père d'Emma qui est malade. Il va aller chez eux pour soigner son père. Il a visité la famille d'Emma. Il a soigné le père d'Emma. Dès la première vie, voilà. Voilà la première fois que Charles rencontre Emma. Dès la première vue, Charles a demandé sa main, c'est-à-dire il veut la marier. Il a tombé amoureux d'Emma et il va demander sa main. L'amour entre Emma et Charles vient de commencer. Ils ont fait un mariage traditionnel, un mariage sans amour. Pourquoi ici j'ai mis entre parenthèses mariage sans amour? Parce que Charles, lui, il aime Emma. Il aime Emma. Il éprouve un bon sentiment. Il éprouve de la passion, de l'amour envers Emma. Mais Emma, c'est totalement le contraire. Emma n'aime pas Charles. Mais pourquoi Emma a-t-elle accepté d'épouser Charles malgré qu'elle ne l'aime pas? Emma a accepté parce que Emma, parce que le père d'Emma est un homme autoritaire. Est un homme violent. Malgré qu'il est riche, mais il est violent. Et Emma a toujours peur de son père. La raison qui a poussé Emma à épouser Charles, c'est qu'elle veut s'enfuir de l'esclavage et de l'autorité de sa famille. Parce que la famille d'Emma, c'est une famille autoritaire. Il traite. La famille traite Emma comme une esclave. C'est pour cette raison que Emma a choisi de s'enfuir de l'esclavage et de l'autorité de sa famille. C'est pour cette raison qu'elle a épousé Charles. Donc c'est un mariage traditionnel, c'est un mariage sans amour. Charles, lui, il aime Emma, mais Emma ne l'aime pas. Il veut seulement s'enfuir de l'autorité de sa famille en épousant Charles. Alors, voilà, Charles et Emma se marient. Ils ont commencé leur vie paisiblement. Mais après une période, les problèmes entre eux ont commencé. Le véritable problème. C'est que les problèmes, les conflits, les disputes entre Emma et Charles vont commencer. D'après la description de Emma, comme nous avons dit, c'est une famille instruite, riche, ambitieuse. Mais le problème, quel est le problème qui va se passer? C'est que Emma va trahir Charles. Charles, contrairement à lui, il aime beaucoup Emma. Mais Emma, puisqu'elle a marié Charles traditionnellement un mariage sans amour, Emma n'éprouve aucun sentiment envers Charles. Le problème, c'est que Emma va trahir Charles. Parce que, comme je vous ai dit, Charles est un homme non instruit, il n'a aucune personnalité, il n'est pas instruit, il n'est pas mûr. Donc, Emma va le trahir, malgré que Emma il a un bon cœur, malgré qu'il est généreuse, mais cette fois-ci, nous avons, il a montré le contraire de ce qu'il a. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, toutes les valeurs et les qualités qui existent chez Emma vont disparaître. Au lieu d'être une fille généreuse, une fille qui a un bon cœur, il va quitter toutes ces valeurs-là et il va. C'est-à-dire, il va, comment dire, il va, toutes les bonnes valeurs qu'il a, il va perdre toutes les valeurs qu'il a pour céder la place à l'argent. Emma, à ce moment-là, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Charles, c'est un homme pauvre, comme je vous ai dit, donc Emma va le trahir avec deux hommes. Emma va trahir Charles avec une autre personne, c'est Léon. Et la deuxième trahison sera avec Rodolphe. Rodolphe.
Emma va trahir son mari Charles avec Léon et Rodolphe. Il va même avoir d'autres enfants avec Léon. Il va même avoir un autre enfant avec Rodolphe. C'est-à-dire, il a complètement trahi son mari, Charles. Mais le problème, c'est que Charles ne sait rien de sa trahison. Charles pense toujours que sa femme est généreuse et bonne, mais il ne sait pas que sa femme, Emma Bovary, le trahit. Donc, Emma trahit son mari en faisant une relation incestueuse. C'est quoi une relation incestueuse? C'est-à-dire une relation hors mariage, une relation incestueuse, adultère, avec deux autres hommes. Deux autres hommes, comme je vous ai dit, Léon et Rodolphe. Mais le problème, c'est que Charles, jusqu'à maintenant, comme je viens de vous dire, ne connaît rien de la trahison d'Emma. Il pense toujours que sa femme est fidèle. Voilà le problème. Il pense toujours que sa femme est fidèle, mais Emma le trahit toujours en secret. Il le trahit en secret. Mais après divers événements, après diverses choses, en fin de compte, Charles va connaître la vérité des choses. Il va connaître toute la vérité sur Emma. Quand il a su que Emma le trahit, il est complètement choqué. Il est bien choqué. Il est entré dans une situation grave, car il n'a pas, car il ne peut pas croire que Emma va le trahir, parce qu'il éprouve un grand amour envers Emma et Emma l'a trahi. Donc, il est très bien choqué. Il est entré dans une situation, dans une situation psychologique grave. Un jour, il va entrer dans la chambre d'Emma et il est aussi très bien choqué lorsqu'il a trouvé beaucoup de lettres d'amour qui ont été entre Emma et Léon. Ce qui a augmenté le choc de Charles, c'est qu'il a trouvé des lettres d'amour de Emma avec un autre homme. Ici, Charles n'a pas supporté le choc qu'il a reçu, il n'a pas supporté la trahison d'Emma. Et ici, on apprend qu'il va mourir lui aussi à la fin. Il a entré dans une situation psychologique très grave et il va mourir à la fin de l'œuvre. Même Emma, après divers événements, lui aussi, il va mourir parce que Emma, comme je vous ai dit, a trahi Charles avec un autre homme, Léon et un autre homme. Mais Léon et cet homme-là vont laisser Emma. Maintenant, Emma est toute seule. Les deux hommes dont il a fait une relation incestueuse, ces deux hommes ont quitté Emma et Charles et mourir parce qu'il a subi une grave situation psychologique. Donc Emma, il est resté seul. Il ne peut plus supporter les malheurs de la vie. Il ne peut plus supporter les hauts et les bas de la vie. Donc il a décidé de mettre fin à sa vie en absorbant du poison pour mettre fin complètement à sa vie. Maintenant, sans tarder, excusez-moi parce que la vidéo est très longue, mais j'ai essayé juste d'entrer un peu dans les détails pour que vous puissiez comprendre tous les points essentiels de cette œuvre. On va passer directement aux thèmes principaux de l'œuvre. Le thème majeur de l'œuvre, le thème le plus dominant, le thème prépondérant et fondamental de l'œuvre, c'est le thème de l'argent. C'est le thème de l'argent. Parce que parce que Emma, pourquoi il a trahi son mari? Parce que son mari est pauvre. Emma est assoiffé par l'ascension sociale. Il veut la seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. L'auteur ici, il nous a parlé de ce thème dans cette œuvre, le thème de l'argent. L'auteur nous montre à travers l'œuvre que les bonnes valeurs sont perdues dans la société pour céder la place à l'argent. Pour céder la place à l'argent.
Alors voilà, mes chers amis, j'espère que vous avez bien compris tout le résumé que j'ai fait. Alors, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas de les poster dans un commentaire. Et je suis toujours à votre disposition pour y répondre. Alors, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais bien vous dire que vous devez absolument faire des recherches sur le roman réaliste parce que ce thème-là, c'est un thème très riche. Et je vous invite aussi à lire ce roman-là, Madame Bovary. C'est un roman qui contient un très bon style d'écriture, un style facile et accessible qui est à la portée de tout le monde. Je vous invite à le découvrir. C'est un roman que j'ai tant aimé et admiré. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, postez-les dans un commentaire. Et je suis toujours à votre disposition. Alors, on se retrouve dans une vidéo très prochainement. Alors, je vous dis au revoir. À très bientôt.